Κεϊδουτρία σαν αδέλφια έρμα και ξένα, που ένα γιοκέρι σβησμένο βαστούσαν, όπου στρίψει, όπου πάει, τα πελπισμένα γοργά πατήματά του ακολουθούσαν. Λιγδερά και πλατιά και όλα σκισμένα, τα λαμπριάτικα ρούχα όπου φορούσαν. Στα μπροστινά, στα πισινά στασίδια, όλο σημά του σιούνται τα ξεσκλίδια. Et les voici, trois frères déterrés, qui dans la main serraient leur cierge éteint, et qui sans cesse ou qu'il aille égaré, ses pas désespérés suivaient sans fin. Ballants, graisseux et partout déchirés, leurs vêtements de fête tout déteints, autour des stalles, derrière et devant, épouvantail près de lui s'agitant. Le harcelant, ils sont juste derrière, ou bien devant et de tous les côtés. En même temps, huit pieds frappent la terre, à même allure. Il s'entend haleter. Fuyant ses formes issues des enfers, plus vite encore, plus loin il veut sauter, comme en été ces étoiles qui passent, suivies d'une traînée de plusieurs brasses. 40 fois ils font de compagnie le tour des lieux, et l'église vibrant de 40 encensoirs semble remplie, et de l'odeur de l'encens l'enivrant. Et tous, toujours, courent avec furie, les poussiéreux traînés par le vivant. Tous trois chuchotent, leurs têtes se touchent, et le coton s'agite dans leurs bouches. Près de l'autel, dans sa terreur extrême, il leur fait face et il tombe à genoux. Les voyant, il s'écrie, tremblant et blême, « Je vous connais, mes enfants, oui, c'est vous. Votre visage et le mien sont les mêmes. Que voulez-vous de moi, sorti du trou? Par pitié, laissez-moi, n'approchez point. Le jour du jugement est encore loin. Maudit, lâchez mes mains. » Eux, aussitôt, viennent poser sur ses lèvres les leurs, chaque baiser, tel un coup de couteau, allant percer du malheureux le cœur. Depuis qu'on voit des étoiles là-haut, nul baiser n'a causé tant de terreur. Leurs bouches crachent en lui leur poison, poussent en lui leur funèbre coton. Il reste ainsi pétrifié jusqu'au jour, jusqu'au départ des trois morts, ses enfants. Lors, il relève effaré son front lourd, sentant l'odeur funèbre de l'encens. Apercevant les lauriers alentour, il les contemple, égarés, longuement, puis s'écriant « Signe de joie, fuyez !» les empoignant, frappe le crucifié. Note du traducteur, à cette époque, on mettait du coton dans la bouche des morts. Nous sommes en 1820, dans les îles Ioniennes, face à l'Italie, dans l'île de Zante, et un jeune noble, Dionisio Solomos, a fait ses études en Italie. Il parle l'italien mieux que le grec, mais il adore sa langue maternelle. Pas sa forme savante, mais la langue du peuple, celle qu'il parlait avec sa mère. Et c'est dans cette langue qu'il va écrire ses grands poèmes. La Grèce est en train de chasser les Turcs, de gagner son indépendance, et le jeune homme écrit un hymne à la liberté flamboyant qui va devenir l'hymne national, et du coup, Solomos va devenir le grand poète national. Mais cet hymne n'est pas son chef-d'œuvre. S'il est devenu le père de la poésie grecque moderne, c'est grâce à d'autres œuvres ultérieures. Exemple, Lambros, dont je viens de lire un extrait. C'est une histoire terrible, pleine de crimes, de blasphèmes, de souffrances, de folies. Et il y a là presque autant de revenants que de morts, comme dans le roman noir anglais ou allemand de l'époque, et aussi comme dans les chants populaires. Il faut dire qu'en Grèce, les morts sont plus vivants et plus remuants qu'ailleurs. Alors, chose étrange, tous les grands poèmes de Solomos sont inachevés, et on ne sait pas trop pourquoi. Et Lambros, c'est pareil, c'est un chantier ou un champ de ruines, ce qui ajoute évidemment à la fascination. Il y a une espèce de démence chez Solomos, une violence, ici par exemple, une révolte contre Dieu, alors que Solomos était un homme très pieux. J'ai attendu longtemps avant de le traduire, j'étais intimidé, il y a de quoi. Et puis j'ai reçu une commande d'une amie chanteuse, Katerina Fotinaki, qui m'a
chargé de traduire un poème du début. Alors, ils sont très différents. Celui-là était frais, souriant, délicieux. Ça m'a débloqué. Et puis l'an dernier, je me suis lancé, j'ai traduit un choix de poèmes et que je publie cette année. Ce fragment de Lambros que j'ai lu, c'est l'un des plus longs. Il est écrit dans un vers de 11 syllabes qui passe assez facilement en français au décasyllabe. Un rythme intéressant parce qu'il est à la fois régulier et irrégulier. 4, 6, 4, 6. Il y a une espèce de tangage qui convient bien au sujet, à le temps. Les strophes sont sur la forme A, B, A, B, A, B, C, C. Un schéma classique que je me devais de respecter, d'autant qu'il est très expressif. La partie A, B, A, B, A, B est obsédante, et puis le C, C à la fin introduit un resserrement, comme une espèce de tour de vis. La langue de Solomos est ancienne, mais dans ma traduction, je n'ai pas forcé sur les archaïsmes, ce qui aurait paru un peu artificiel, ce qui aurait éloigné aussi le texte de nous. J'ai simplement introduit un lors au lieu d'alors et un point au lieu de pas, mais de façon très discrète. Solomos est encore inconnu chez nous. Le fameux hymne a été souvent traduit à l'époque et il ne l'est plus. Quant au reste, eh bien, je pense que le fait qu'il soit en vers a un peu intimidé les traducteurs, et le traduire sans traduire en vers, ça n'a aucun sens à mon avis. Au miel des anges, donc, un choix, Lambros en entier, une partie des libres assiégés, et puis, à la fin, la très étrange femme de Zante, dont on ne sait pas si c'est de la prose ou des vers. Le titre Poème et prose, traduit du grec et présenté par Michel Volkovitch. Mise en image, Henri Colomer.